Salut à tous, c'est Mister Freeze. On se retrouve pour une petite vidéo vite fait. Je sais même pas si c'est une nouvelle fraîche ou pas. Enfin, vous le voyez bien, de toute façon, dans le titre. Je vais pas trop parler du jeu. Le jeu, voilà, c'est Enter the Gungeon. Je vous en avais peut-être déjà parlé. C'est un jeu type roguelike. On est dans des donjons, on débloque des objets petit à petit, on débloque plein de trucs. Et déjà, bah, y a un petit problème avec les contrôles. Je dois être en QWERTY, ouais voilà c'est bon. Voilà. Bon, c'est un jeu un peu le même genre de jeu que Bane of Isaac, sauf que on tire. C'est un roguelike quoi. Mais il est bien, il est bien. Il est assez dynamique et on peut esquiver les tirs, hein, c'est sympa. En fait ce qu'on peut faire c'est qu'on peut. Voilà, on peut faire des. Vous voyez des espèces de petites des plongeons quoi. Pour esquiver les tirs ennemis, on débloque plein d'armes. Ce qui est sympa, c'est qu'il y a une encyclopédie comme ça, où on peut voir tous les trucs qu'on a débloqués. Voilà, et puis il y a des boss assez sympas. Le jeu est plutôt dur, enfin, la difficulté monte très vite. Bref, on va arrêter de parler du jeu. Je vais sûrement jouer comme une merde, parce que là je parle en joueur, hein, vous avez compris. Genre, je trouve pas le jeu avant ou après, je parle en même temps. Du coup, je vais pas parler du jeu, on s'en fout. Mais c'est un bon jeu, en tout cas, si vous aimez le genre de jeu, c'est un bon jeu, voilà. Du coup, ouais, cette petite vidéo, pourquoi je la fais? Tout d'abord parce que, alors, si vous avez suivi un peu, j'avais plus de PC pendant un petit moment, là, pendant 2 semaines. Et là, je viens d'en récupérer un, donc j'ai changé des trucs dans mon PC, donc il est plus puissant qu'avant. Déjà que j'avais la fibre il y a pas longtemps. Donc je pourrais peut-être faire tourner le jeu, je pouvais pas faire tourner avant, parce qu'avant j'avais un processeur dégueulasse, même si j'avais une nouvelle carte graphique. Maintenant il est un peu mieux, bon c'est pas du très haut de gamme mais c'est ouais, c'est un i5 et avant j'avais un vieux processeur AMD tout pourri qui bridait complètement mon PC parce que j'avais beau même pas utiliser la moitié des capacités de mon PC, le processeur était toujours à fond et voilà, plein de trucs que je pouvais pas faire tourner. Donc là il y a peut-être des jeux que je pourrais faire tourner tout en enregistrant, ce que je pouvais pas faire avant. Voilà. Donc bah ça on verra hein, pour les autres jeux. Donc il y a d'une part il y a ça, il y a le PC qui est mieux qu'avant. Et d'autre part il y a j'essaie de parler en restant concentré sur le jeu en même temps, c'est pas facile du tout. Ouais d'autre part il y a quoi? Oui je peux enregistrer beaucoup plus qu'avant. Parce que voilà, ça fait un petit moment que j'étais pas libre, enfin ça fait longtemps, hein. Depuis que je travaille je peux difficilement enregistrer. Vous avez vu la différence pour ceux qui me suivent depuis longtemps avec l'époque où j'étais sur Dailymotion, ça n'a rien à voir. Au début j'enregistrais quasi une vidéo par jour alors que là ben. Là voilà, vous voyez pas quand j'enregistre, parce que je mets des vidéos à peu près toutes les semaines. Mais en fait j'enregistre vraiment très 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 rarement. Hein. Des fois pendant 2 mois j'enregistre pas de vidéos. Tout ce que vous voyez c'est des vidéos en réserve. J'ai encore des vidéos enregistrées il y a plus d'un an. Enregistrées à l'été 2016, voire début 2016, que je n'ai toujours pas posté pour vous dire. Par contre oui, quand je peux enregistrer là j'en profite, c'est-à-dire que j'enregistre 10-15 vidéos d'un coup quoi. Enfin j'essaye. Des fois je peux enregistrer qu'une ou deux mais voilà. C'est un peu comme ça que ça fonctionne depuis, bah, depuis plus d'un an quoi. Et là, tout a changé en ce jour de début septembre. Car je suis maintenant plus libre et je devrais pouvoir enregistrer, peut-être pas toutes les semaines, mais presque. Enfin, au moins 2 semaines sur 3, je pourrais enregistrer, quoi. Voilà, maintenant, le lundi, je serai assez libre et je pourrai enregistrer des vidéos. Bon, après, il y a une question de motivation, il y a une question de... Une question de si j'ai d'autres choses à faire à côté, voilà, c'est pas forcément le truc le plus prioritaire dans ma vie. Mais tout ça pour dire que c'est. En tout cas c'est beaucoup mieux qu'avant. Et qu'est-ce que ça implique du coup? Bah ça implique que vu que je peux enregistrer plus de vidéos qu'avant, j'ai plus de choix de jeux à enregistrer, je sais pas comment dire. Avant en fait vu que je pouvais pas enregistrer beaucoup, j'essaie de m'expliquer plus clairement, vu que je pouvais pas enregistrer beaucoup. J'essaie de me limiter en fait au nombre de jeux pour pouvoir les finir. Parce que moi là, si j'enregistre 15 jeux d'un coup, enfin en même temps vous avez compris quoi, si j'enregistre pas les jeux en jouant en même temps au jeu, mais vous avez compris. Je prends pour des cons, complètement. Désolé. Non mais j'arrive pas à m'exprimer, mais en gros j'enregistrais
On va dire FF7, FF5 et FF4, Suikoden 2 et Rana chez Zelda. Bon, c'est déjà beaucoup, mais j'étais obligé d'en mettre certains en pause, etc. pour continuer les autres. Je vais crever comme une merde contre le boss parce que de 1, je me rappelle plus de comment on joue, parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué. Et de 2, j'ai plus de vie, donc je vais me faire défoncer. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est juste pour faire un fond pour la vidéo de toute façon. Voilà, ouais, les boss c'est un peu délirant, hein, c'est un peu n'importe quoi. j'aime pas de nouvelles armes, j'aime pas. Je peux recocher le boss direct. On peut faire ça aussi, renverser les tables. Bref, on a dit qu'on parlait pas du jeu. Voilà, je suis déjà mort. Hein. Enfin, bientôt. Donc, oui, du coup, je pouvais pas enregistrer beaucoup de jeux pour, voilà, pour le temps que j'avais en fait, pour que je puisse enregistrer un peu de chaque jeu à chaque fois quoi. Merde! À côté. Et au final, ben, je vais maintenant que je peux enregistrer plus souvent, je peux enregistrer beaucoup plus de jeux, voire augmenter la cadence de mes vidéos. C'est-à-dire, bon, je suis mort comme une merde, mais c'était obligé. pour moi, ouais, j'enregistre en même temps que je joue parce que c'est plus rapide en fait pour moi que d'enregistrer, enfin de parler sans jeu et après de jouer et après de monter le jeu avec le son. Donc voilà, c'était pour faire plus facilement et plus rapidement la vidéo. Oui, donc je disais, maintenant je pourrais donc peut-être augmenter le rythme des jeux. Et j'avais une idée, donc après ça dépendra de vous, on va dire. Parce que ça dépend si vous arrivez à suivre ou pas. Mon idée, voilà, c'est de prendre tous les jeux que je veux. C'est-à-dire, j'enregistre un max de jeux. Donc ça peut faire peur comme ça veut dire que vous voudrez pas beaucoup le jeu que vous suivez. Mais non, en fait, pas du tout parce que je vais poster beaucoup plus de vidéos qu'avant si je fais ça. C'est-à-dire que, avant, je me limitais en nombre de jeux, comme je l'ai dit. Mais du coup, ça voulait dire quoi? Parce que j'ai pas tout le temps envie de jouer à tous les jeux que j'enregistre. Déjà, on va dire que j'enregistre dès que je peux. Pas dès que je veux, hein, dès que je peux. C'est-à-dire que bah, des fois, voilà, j'avais un petit moment de libre, je me dis bon, ça fait des mois que je pas enregistré de vidéo, faudrait quand même que je le fasse. C'est pas parce que c'est un supplice ou quoi, hein, mais c'est que j'aime enregistrer des vidéos. Et voilà, il y a des moments où on est fatigué, où on n'a pas envie. Et des fois, bah, on va pas dire que je me forçais non plus, j'y prenais plaisir quand même. Mais je le faisais parce que je voulais pas, ça me faisait chier en fait que j'ai plus de vidéos en réserve à vous proposer quoi. Et voilà, maintenant ça sera plus le cas. Mais aussi des fois j'étais obligé de me forcer à jouer à un jeu en particulier quoi. Parce que par exemple j'avais plus de vidéos, je sais pas moi, de FF7. Bah fallait que j'enregistre absolument FF7 alors que j'avais envie de jouer à, je sais pas moi, à Suikoden 2, hein, c'est un des exemples. Bah maintenant je peux faire ce que je veux, vu que j'ai beaucoup plus de temps qu'avant, j'aurai toujours des réserves sur les vidéos. Donc je peux enregistrer un peu de tout. Ce qui veut dire que je pourrais enregistrer plus de jeux à la fois, et même en commencer d'autres. Et mon idée en fait ça serait d'enregistrer plein de jeux, poster beaucoup plus de vidéos. Donc par exemple au lieu d'en mettre une par semaine je pourrais en mettre deux ou trois. Bon on verra, c'est pas une promesse. Mais je peux en mettre 2 ou 3. Disons si ça marche bien quoi, si j'ai le temps, voilà, on va tester, on verra comment on peut s'en sortir. Et surtout si vous suivez. Parce que oui, si c'est pour que je poste 4 vidéos par semaine mais que les gens n'ont même pas le temps d'en voir 2, c'est un peu con quoi. Donc voilà, faudra me dire pour vous si ça vous va ou pas. Mais si je fais ça, du coup je pourrais enregistrer, on va dire, des nouveaux jeux. Un peu tous les jeux que je fais en ce moment. Et je passerai un peu de chaque. Mais avant, on va dire, il vous fallait attendre, je sais pas moi, si je postais 3 jeux avec un coup le premier jeu, un coup le deuxième, un coup le troisième, un coup le premier, un coup le deuxième, etc. Vous attendiez 3 semaines en fait pour voir à chaque fois, si vous en suivez qu'un, vous attendiez 3 semaines. Alors que maintenant, si je fais ça, il y aura plus de jeux, donc on va dire, imaginons qu'il y aura 5 jeux à la fois. Mais vu que ce sera 2-3 vidéos par semaine, ben c'est pas grave, vous les verrez quand même plus souvent. Et du coup moi, ça me permettra aussi d'être plus motivé, puisque je pourrai enregistrer un peu tous les jeux que je veux. Voilà, donc je sais pas si ça vous dit. Donc en gros pour résumer, c'est poster plus de vidéos et plus de jeux différents.
parce que maintenant je suis moins limité vu que j'ai plus le temps. Et du coup, ça permettra que je fasse des jeux, des nouveaux jeux. Bon, je vais quand même essayer de me concentrer sur les jeux en cours, mais... Je sais qu'il y a des gens, ils regardent plus mes vidéos parce que, par exemple, ils suivent que Zelda et que je le poste pas forcément. Bah voilà, ça réglera ce problème, ça réglera le problème de motivation parce que je brancherai que les jeux que j'ai envie. Quand j'ai envie. Et puis je pourrai poster un peu de tous les jeux, donc voilà, tout le monde sera content comme ça. À condition que je pense pas trop de vidéos pour les gens, parce que on peut se dire que c'est débile ce que je dis. C'est un peu débile parce que les vidéos vont pas disparaître, bien sûr. Mais en fait, ça peut poser un problème quand même sur une chaîne. C'est que si je poste, je dis n'importe quoi, une vidéo par jour, je le ferai pas, hein, de toute façon. J'en suis pas à ce point-là, mais si je poste une vidéo par jour, vous allez vous dire, bah tant mieux. Ceux qui veulent suivre petit à petit, ils suivent petit à petit, et les autres... Et les autres, on verra. Mais en fait, c'est con, mais ça peut démotiver des gens. C'est pour ça que je vous demande votre avis quand même. Ça peut démotiver des gens parce que il y a des gens, quand ils voient qu'il y a une vidéo par jour, ils suivent plus en fait. Ils se disent ouais, mais voilà quoi. Moi, je regarde ma vidéo toutes les semaines, mais si le gars il se met à poster des vidéos tous les jours, j'ai plus le temps. J'ai plus le temps de les regarder, donc du coup, j'abandonne et j'arrête de regarder sa chaîne quoi. Ça, c'est débile, hein, mais je pense que ça peut arriver. Voilà, donc après, dites-moi si ça vous intéresse que je joue à plus de jeux, comme ça je vous en propose plus. À vous de me dire si ça vous va. Voilà, sur ce, c'était un petit message un peu long, je me suis un peu répété, mais bref, c'est pas grave. Ouais, ce qui est sympa dans ce jeu, c'est qu'on peut se téléporter dans toutes les salles dont on a les petits trucs verts quand on veut. Ça, c'est sympa. Bonne idée dans un roguelike. Bon, je joue comme une merde, mais d'habitude je joue beaucoup plus loin, hein. Je vais au moins un troisième niveau. Mais bon, forcément, en parlant, c'est moins facile. Encore lui, putain. En plus, les boss, ouais, ils peuvent changer. Il y a plusieurs boss de niveau 1, plusieurs boss de niveau 2, c'est aléatoire en fait. Enfin, je sais pas si c'est aléatoire ou selon le choix du perso, mais je crois que c'est aléatoire, ouais. Vous voyez, même le décor, c'est pas le même que tout à l'heure. C'est avantage selon les boss. Bah voilà, j'avais pas grand chose de plus à dire. Dites-moi si ça vous trouvez que c'est une bonne idée ou pas. Mais en tout cas, voilà, ça me permettra de commencer les jeux, que ça fait un bail que je dis que je vais les faire aussi. Et puis j'ai hâte de les faire, ces putains de jeux. Ah mais merde. Ça, c'est très chiant. Alors, on va le tirer à distance. Comme ça. Voilà. Puis quand on peut se mettre au corps à corps, on prendra l'autre arme. Parce qu'elle fait plus mal, mais elle a une portée de merde. En vrai, lui, il est pas dur. Hein, si on fait attention, on se protège bien. Ah merde, j'ai essayé de tuer la bombe pour. Bon, c'est pas grave. Bref, pour vous montrer le jeu en même temps, j'essaie de varier un peu. Ouais, voilà, j'espère que ça vous plaît. Puis moi, je vais peut-être continuer mes vidéos pendant que j'en ai le temps. Donc, bah dites-moi, franchement, j'ai besoin des commentaires là. Regardez pas juste la vidéo. C'est pas juste des nouvelles, c'est une question que je vous pose. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée de mettre plus de vidéos et plus de jeux différents? Voilà. Allez, bah, on se retrouve à la prochaine vidéo que vous regarderez. Salut !